Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons une fois de plus de bénédiction. Je vais lire Deutéronome 28 au verset 8. L'Éternel ordonnera à la victoire d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Oh my gosh! Ça veut dire en fait que tous tes comptes bancaires, Dieu a ordonné. On a vu selon Proverbe 10, verset 22, que la bénédiction enrichit. Si la bénédiction donne l'argent et que Dieu a dit qu'il va ordonner à la bénédiction d'être sur mes comptes bancaires, faites le calcul. Ça veut dire que mon compte ne peut pas se sécher. Orange Money, MTN Money, PayPal, peu importe, Cash App, Venmo, tout ça. Vos comptes ne peuvent être vides. Vous devez méditer parce que souvent, il y a même des jours, tu as honte, tu as peur d'ouvrir ton compte Orange Money, tu as peur de checker ton solde. Parce que tu sais que tu as 0,3 francs ou bien tu sais que tu as 50 centimes là. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu visualises ton compte avec l'abondance et que tu saches que c'est Dieu qui a ordonné. Et si Dieu a dit, qui suis-je pour riposter? Même tes ennemis sont qui? La Bible dit... L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes comptes bancaires. C'est Dieu qui a dit. Donc moi, je m'aligne seulement. Ok, amen. Qu'il en soit fait selon ta volonté, Seigneur. Donc j'enlève le doute de votre esprit. J'enlève aussi l'esprit de pauvreté et l'esprit de manque qui vous fait vider vos comptes mentalement là. À partir d'aujourd'hui, déclarez avec moi, mes comptes sont pleins. Soyez bénis.